Juillet 2016, l'ambassade du Maroc a organisé la fête nationale du trône au The Hotel Lex Hilton, dans la prestigieuse salle Le Grand Ballroom. Son Excellence, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique, M. Samir Dar, a accueilli avec la présence du consul général, M. Omar Toyar, ainsi que l'ensemble du corps diplomatique, leurs invités de marque, entre autres, M. Yann Yambon, ministre de l'Intérieur, M. André Flao, ministre d'État et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et une bonne partie du monde diplomatique. Oui, je suis invité par l'ambassadeur pour cette fête marocaine. Pour moi, c'est très important de fêter ensemble parce que je travaille très bien avec l'ambassadeur. On a pu acquérir beaucoup de choses ensemble. C'est très important qu'on s'entende très bien, communauté marocaine et les citoyens ici dans notre pays, parce qu'on a quand même pas mal de problèmes à gérer et on peut gérer les problèmes et on peut gagner la situation si on travaille ensemble. Et c'est ensemble qu'on peut gagner. Oui, c'est très important pour les Marocains qui se trouvent en Belgique qu'ils peuvent fêter leur fête et s'intégrer dans notre société. Ils sont très bienvenus ici, mais il y a quelques problèmes et ça, on doit les convaincre et les gagner ensemble. C'est très important de travailler ensemble contre ces petites minorités de criminels qui font beaucoup, beaucoup d'ennuis pour notre société. Ok, merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà. Merci. Mais je crois que c'est un moment important, la fête du trône, et je salue les ambassadeurs de nous inviter parce que c'est un des moments de retrouvailles. Il y en a d'autres, comme au cimetière de Jean Blouchastre, où chaque année, au mois de mai, on partage ensemble, dans un moment de convivialité et de fraternité, un repas, on échange, on rit, on chante, on discute. Et c'est ça qui fait la force des relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique, mais pas uniquement entre le Royaume ou les Royaumes, c'est entre les hommes et les femmes qui composent ces deux États. Et je crois que c'est une amitié de longue date qu'il faut entretenir, un peu comme on entretiendrait un figuier ou d'autres choses, pour le faire grandir pour les générations actuelles et les générations futures, dans l'amitié, la solidarité, la fraternité. Une des plus grandes fêtes nationales du Royaume, célébrée par tous les Marocains du monde. Il est important de savoir qu'il s'agit d'une fête historique débutant en 1934 en soutien au feu roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed V, grand-père du roi actuel Mohamed VI, contre le protectorat français. Sous le règne du feu roi Sa Majesté Hassan II, cette fête était traditionnellement fêtée le 3 mars. Il est à noter que cette date varie en fonction du serment d'allégeance pour chaque nouveau roi accédant au trône. الولاء ليكم سيدنا وأمرك مجاب كلنا نضحي بالروح شابات وشباب كل عام نجدد وكل يوم نردد وكل عام نجدد وكل يوم نردد نفديك يا تاجنا زيد الثناء De manière générale, la fête s'est très bien déroulée. Les invités triés sur le volet, au nombre de 600 personnes, ont répondu massivement présents. En vue des circonstances, la sécurité était présente et en toute discrétion.